Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Plume des Poudlards. Comme vous le pouvez le voir derrière nous, on est donc en plein mois d'octobre, donc spécial Halloween, surtout ce mois-là. Vous allez pouvoir découvrir ce nouveau fond juste derrière nous et on est ravis de pouvoir refaire des vidéos test produits. Évidemment, on a pris du retard, hein, surtout les produits que l'on a reçus, qu'on a dû tester. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir tester la box de chez Woodbox, la box numéro 4. Elle est déjà sortie depuis quelques semaines. Hein. On est un peu en retard là-dessus, on s'excuse pour ça évidemment. Et du coup, eh ben c'est le moment de découvrir ce que du coup renferme cette boîte au trésor. Alors, on va peut-être répéter le concept de Woodbox. Qu'est-ce que c'est que Woodbox? Woodbox, c'est un magnifique concept qui consiste dans l'envoi d'un colis tous les deux mois sur le monde Harry Potter. Exactement, c'est une société française qui fait ça. Et du coup, la promesse, c'est de vous envoyer pour moins de 35 euros, 70 euros de produits Harry Potter. Donc, ce qui est bien. Défi. C'est que dans tous les box, normalement de chez Woodbox, il y a au moins un t-shirt, donc Harry Potter, et une figurine. Ça peut être une Funko Pop ou une figurine Q-Fig, puisqu'on en a reçu une Q-Fig, je crois que c'était celle d'avant d'ailleurs. Donc on va pouvoir découvrir qu'est-ce qui se cache dans celle-ci. Allez, on va l'ouvrir sans plus attendre. Alors, évidemment, comme à chaque fois, le design des boîtes donc Harry Potter de chez Woodbox... Elle est très élégante. Ouais, c'est clair. Alors c'est toujours le même design, mais... ça permet aussi de pouvoir réutiliser les boîtes pour faire autre chose avec. On le répète à chaque fois, mais franchement, regardez cette boîte, elle est juste topissime. Elle est vraiment trop mignonne. Ça pourrait très bien aller dans un placard comme ça, hop, pour mettre... Pour garder des souvenirs, des photos. Voilà, des photos ou des chaussettes. Des photos de convention Harry Potter. Oui, voilà, absolument. Et du coup, alors, on a ouvert la boîte, mais on ne va pas vous dévoiler le contenu d'un coup. On va prendre objet par objet. Alors du coup, on voit qu'ils sont du coup... peut-être sponsorisé par NordVPN, qui sont partout hein, d'ailleurs, NordVPN. Donc nous, on ne va pas faire la pub pour eux, parce qu'on n'a pas forcément de sponsor, mais voilà, si ça vous intéresse d'y aller, n'hésitez pas. Mais on voit beaucoup de YouTubeurs qui font des, on va dire, des sponsors avec NordVPN. Alors, on va commencer par ce premier produit qu'on connaît très bien. En plus, on l'a fait gagner, je crois. Exactement, on l'a déjà fait gagner. D'ailleurs, tu te rappelles que tu avais, dit qu'on pouvait du coup le peindre, puisque c'est un livre avec un puzzle du coup 3D en bois dedans qu'il est possible de peindre. Et du coup, sur ce numéro-là, c'est un numéro de Fantastic Beasts. C'est plus joli, ça. Et la créature, c'est le Nifleur, le fameux Nifleur. Donc, à l'intérieur, on retrouve normalement des informations sur le livre, enfin, sur les histoires des animaux fantastiques. Voilà, comme par exemple ici, on parle de Norbert Dragono. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Newt Scamander. Alors il est en anglais, c'est pas la version française. Je sais pas s'ils l'ont fait en français d'ailleurs ce livre-là. C'est vrai que quand on l'a mis en jeu concours, on n'a pas regardé. Ouais, on n'a pas fait attention s'il était en français ou en anglais. En tout cas là, il est en anglais. Il me semble que les éditions Gallimard font ce bouquin également. Et là, ça doit pas être Gallimard. Enfin bref. Ça, c'est la série Animaux Fantastiques. Ouais, complètement. Donc voilà, ça, c'est un produit qu'on aime bien. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y avait... comment s'appellent les magasins qui vendent des trucs Nose, voilà. Nose, ils en avaient un bon stock à un moment. Ça, c'est un truc qui est plutôt cool à faire avec les enfants. Hein. Je vous invite vraiment à le faire si vous avez des enfants. En famille. Ouais, c'est un truc que vous allez passer vraiment un très bon moment à mettre en place et surtout à peindre derrière. Et puis en plus, c'est gratifiant parce qu'après, on peut l'exposer. C'est vraiment adorable. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a un petit objet sur le thème des Weasley. Oh, ça j'adore! C'est tellement rare. Est-ce que ce serait pas une bougie, ça? Si c'est une bougie parfumée au bonbon ou pas? Oh là là, ça sent bon. Oh là là, ce que c'est, Barba Papa? Non. Ah, c'est cannelle. C'est cannelle? Cannelle, c'est trop bon. Ah, oh, j'adore. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une bougie. Donc, Harry Potter, Weasley, Wizard, Whiz. Oula! Ouais, j'ai eu un petit peu de mal à le dire. Là. Wizard, Whiz. Je m'attendais à lire Wizard. Spectaculaire. Non. Wizarding World. Je m'attendais à lire Wizarding World et en fait non, c'est Wizard Whiz. Et donc du coup, magnifique bougie, voilà. Alors, elles sont super bon. Et voilà, donc, au décor donc des Weasley. Et évidemment, on est dans le thème hein, puisque Halloween, cannelle, donc ça c'est plutôt cool. Donc super produit, on aime beaucoup ce genre de petits produits avec une odeur. Ouh là là, ça c'est magnifique. On a reçu sûrement un bloc-notes. On va vérifier ça. Avec écrit donc Stupefy. Stupefy, j'imagine. Non, c'est Stupefy, oui. Donc, siglé sur les animaux fantastiques. Mm-hmm. Et du coup, c'est quoi? Donc, c'est un journal de 192 pages. Je pense que c'est ça. Ça va être c'est un agenda. Ouais, tout à fait. Bah, on va l'ouvrir, on va regarder ça. Oui. Donc, on vient de l'ouvrir. Donc, c'est un espèce de faux cuir, mais qui est plutôt
hyper agréable en main. Mm-hmm. Et puis le rouge, là, il est vraiment top. Avec des petits... C'est un rouge un peu foncé quand même. C'est bordeaux presque. Ouais, c'est presque le rouge de la plume de Poudlard. Oui. Et du coup, alors il y a un petit élastique pour le maintenir fermé. Et à l'intérieur... Pour maintenir fermé les secrets. Ouais, alors ça, c'est typique de chez Minanima. Hein. Le décor un peu comme ça, argenté, avec des petites étoiles. Alors, on ne voit pas très bien la caméra. Mais voilà, ça, c'est typique de chez Minanima. On peut mettre le nom du propriétaire ici. De... Hop. Oh. Ah. Génial. Il écrit. Il y a un petit texte être dedans. Être toujours vigilant. c'est plutôt drôle. Parce que ça fait un petit carnet magique, quoi. C'est le mémo officiel des Makuza. C'est top. Voilà, et après, ça reste un bloc-notes plutôt classique. Simple. Est-ce qu'au fond, des fois, il cache des choses en dernière page? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout le temps. Il y a une pochette ici. Hop. Pour cacher vos documents. Je crois qu'il nous avait déjà envoyé un carnet dans une précédente box qui était un peu sous le même style avec c'est la carte du maraudeur. C'est la carte du maraudeur, c'était ça. Exact. N'hésitez pas à aller voir hein, les précédentes box de chez Woodbox. Pareil avec la pochette à la fin. Exactement. Mais cette fois-ci, c'était avec la carte du maraudeur. Bon, on adore encore ce produit-là, évidemment. Ensuite, donc là, on va arriver sur le fameux t-shirt que du coup, je vous ai annoncé au début. C'était sûr qu'il allait y avoir un t-shirt. Le voilà. Alors, je vais enlever le plastique et on revient dans quelques secondes. Voilà, on vient donc d'en retirer le plastique. Alors, je l'ai jamais vu le t-shirt, je sais pas du tout à quoi il ressemble. Attends, je vais pas le voir ce que c'est. Ah, oh, c'est le livre des monstres. Oh, excellent. Excellent. C'est la première fois que j'ai vu un t-shirt sur le livre des monstres. Pour quand une même. Fois qu'on n'a pas un t-shirt noir. Mais il est super fan. Alors là, alors, elle du est coup, trop fan. Cette fois-ci, ils n'ont pas pensé à toi. Ils me l'ont envoyé non, en Excel. Non, en Excel. Donc cette fois-ci, ce sera pour moi. Non, mais tu sais quoi? Je le mettrai pour dormir un jour. Oui, c'est ça. Oh, il est vraiment excellent, le livre des monstres. Alors là, Woodbox, je vous le dis tout de suite, ce t-shirt, vous allez le voir dans les vidéos suivantes. Ça, c'est certain. J'adore ce Parce t-shirt. Parce que Mickaël, il adore un peu les t-shirts décalés. Donc, c'est bien. Complètement. Déjà, bleu et jaune, je surkiffe. Et en plus, c'est un jaune très fort. Ouais. Presque fluorescent. Carrément. Donc. Ça fait un petit peu serre d'aigle, mais franchement, et c'est il très est rigolo. Le livre des monstres, franchement. Et il est bien fait, le livre des monstres. Hein. Ouais, complètement. Donc, toujours un produit, donc Harry Potter. Wizarding World, hein, puisque c'est que des produits officiel Woodbox. Ah oui, absolument. Ça, voilà, on le répète évidemment, mais c'est sur des produits officiels. De la super qualité. Et je crois qu'on est au dernier produit là. Hein. Attention. Ouais, le dernier produit. Bon, je m'attendais à un petit pins quand même. Il est ouvert. Ouais. Alors attends, parce que par contre, la boîte est ouverte. Elle s'est ouverte peut-être. Je sais pas pourquoi. Ah bon, passage. Donc on va la refermer et voilà ce qu'on a reçu. Attention. Nick quasi sans tête. Une Funko Pop. Oh là, franchement. Pff. Alors moi, je suis pas Funko Pop, je te dis la vérité. Moi non plus. Toi non plus. Non. Et désolé pour les amateurs des Funko Pop. Mais non, mais je mais sais sont que mignons, nous, sont on, vraiment est, on est des extraterrestres dans le monde de Harry Potter, parce mais que je crois non. qu'on est les seuls à pas aimer les Funko Pop. Enfin, pas aimer, c'est pas qu'on aime pas. On adore. Mais on fait pas c'est la collection. C'est vraiment mignon, mais on les collectionne pas. Non, voilà. Mais les personnages sont vraiment adorables. Par contre, on a un elfe à la maison qui adore ça. Oui. Et du coup, évidemment, cette figurine, je sais qu'elle a. Elle plaît énormément. Il y a un moment... je crois qu'elle est assez récente, d'ailleurs. Oui, il y a quelques mois. C'est pas... Non. Enfin, ça, je crois qu'elle est sortie il y a quatre vagues. Enfin, il y a quatre vagues en amont. Elle est sortie à ce moment-là. Et pour le coup, elle est juste fantastique. Donc, c'est la numéro 62, on vous répète. Hein, donc, Funko Pop, Nick quasi sans tête, contre, avec sa tête qui est à moitié coupée. Oui, on adore le personnage. Ouais, complètement. Nick quasi sans tête, c'est un de mes préférés. Ouais, c'est clair. Dommage qu'on ne le voit pas assez dans les films. Oui. Je veux dire, il y a une scène où ils fêtent l'anniversaire qu'on ne voit pas. Bon, ah, bref, c'est la dommage. Scène, oui. Où ils mangent des trucs un peu pourris, tout ça. Enfin, ça, c'est drôle. Voilà, donc elle est hyper fragile. Ça, on me l'avait déjà prévenu. Parce que Aurore, qui est donc avec nous à la plume de Poudlard, de notre plumette. Est une experte vraiment hein, dans le monde des Funko Pop. Elle est collectionneuse, très grande collectionneuse complètement. De Funko Pop. Et elle du coup, m'a présenté toute la collection pour notre culture donc, au sein de la plume de Poudlard. J'ai fait tomber le socle de la figurine, puisqu'elle se met sur un socle. Je sais pas trop comment. Ne lui casse pas la tête. Parce que je suis pas vraiment expert, ouais, c'est ça. Oula, oula, oula. Ça, juste, ça s'emboîte dessus. Et là, ça va être Nick, vraiment sans tête. Et enfin, il pourra aspirer à participer au club. Ouais, c'est ça. À rentrer dans le club. Du coup, je sais que souvent, les gens qui ont commandé cette figurine l'ont reçue avec la tête cassée vraiment directement. Complètement. Parce qu'elle est juste à moitié soudée pour comme faire. Ah, oh, d'ailleurs, elle bouge. Doucement. Donc c'est très très fragile comme figurine. Ce n'est pas une figurine que l'on donne à des enfants pour jouer. C'est qu'est-ce que je comprends c'est pas vraiment pourquoi, figurine de collection. Pourquoi ils n'ont pas fait vraiment un truc que tu peux enlever et remettre avec un clip. C'est vrai, avec ils auraient peut-être pu faire ça. Ça aurait pu être plus marrant, tu vois.
C'est vrai. Ou sinon, je sais pas si c'est celle qui s'allume. Il y en a une. Enfin, je sais qu'il y a des figurines qui sont un peu comme non, ça, de cette couleur. C'est pas qui s'allument dans la nuit. Fluorescente. Ouais, je pense pas que celle-là le fasse. J'ai l'impression. Non, le fait pas. Non, c'est pas celle-là. Je l'ai fait. Ouais. En tout cas. Encore une fois, Woodbox nous a régalé avec ces magnifiques produits. Donc, on vous rappelle le concept, hein, 70 euros de produits Harry Potter officiels dans une box à 35 euros. Mm-hmm. En tout cas, si vous prenez les 6 box, plus vous en prenez, en fait, plus le prix est dégressif. Et là, le contrat est encore rempli. On est arrivé avec des produits vraiment topissimes. Et c'est des petites pépites, ouais. Ouais, complètement. Et bon, après, les Funko Pop, c'est... plus dans le commerce, on peut oui, le trouver tout à fait, souvent. Tout à fait. Bah, ce qui est bien avec les Funko Pop, c'est que certains prennent beaucoup de valeur. Et peut-être qu'un jour, Nick Quasi Sans Tête prendra beaucoup de valeur. S'il est un jour en rupture de stock. Complètement. En tout cas, Woodbox, nous, on adore vos produits. On adore aussi quand vous mettez des petits pins. Donc, n'hésitez pas à le faire Merci. La prochaine fois. Nous, on adore les pins. Non, ouais. Donc, à chaque fois, il y a 5 produits. Et je pense que cette fois-ci, il n'y a pas eu de pins puisqu'il y a eu la bougie. En fait, exact. C'est ça le truc. Qui est franchement, j'ai jamais vu, vraiment mignon. Ouais, bah plus des fois. Plus de produits Weasley, s'il vous plaît. Ouais, il y a Primark des fois qui fait des bougies sur le thème d'Harry Potter. Oui. C'est vrai, on avait vu des 4 maisons. Ouais, absolument. Il y avait absolument. Des bougies des 4 mais maisons. Mais l'odeur est pas ouf. Là, non. Pour le coup, celle-là, elle est pas mal. Elle est vraiment atomée. Voilà, allez, n'hésitez pas à venir voir nos prochaines vidéos. Évidemment, on va recevoir d'autres box de chez Woodbox et peut-être d'autres box d'autres. D'autres personnes qui font des box, oui. D'autres marques. Donc n'hésitez pas à nous suivre, abonnez-vous sur toutes nos vidéos et toutes nos pages sociales. Et nous, on vous donne bien évidemment rendez-vous dans la prochaine vidéo.